jeter les bonbons devant la télévision. On est comme les trois doigts la main. C'est un peu notre marque de fabrique. Quand on prend un conte traditionnel, on essaye de l'adapter à des situations contemporaines. La forêt, c'est grande pour tout le monde. T'as pas un chat de face si je veux. Allez, décapissez. Hein. Non, mais qu'est-ce que t'as fait ? Vous voulez qu'il prend tout le monde ? Vous voulez que vous allez, frère, allez. On est les trois. L'histoire, c'est de dire aux enfants, attention, c'est pas parce qu'on est un loup ou qu'on a l'apparence d'un loup qu'on est méchant, c'est pas parce qu'on est un mignon petit lapin qu'on est gentil. Quand tu veux un ami, d'accord, il suffit de lui faire un cadeau, voilà. Yop là. Oh, il me résiste. Mais moi, je suis plus fort. Toc, toc. Y'a quelqu'un? Non, on est parti. Donc on a utilisé la trame des trois petits cochons et puis on a inclus un autre personnage qui normalement est sympathique mais qui là ne l'est pas et qui essaye de profiter du petit loup, hein, de faire croire qu'il est son copain parce qu'en fait ce qu'il veut c'est que les trois petits cochons s'en aillent de sa clairière pour qu'il soit tranquille et voilà. Tu n'as pas peur? T'es bizarre un peu. Pourquoi je dois avoir peur? Monsieur, faut pas dire le frère. Il y a le loup qui a cassé nos camarades. Oh, il est déjà là. Allez, fuyons.